Bonjour encore une fois à tous et à toutes qui suivent le cours sur les fondamentaux de la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest de façon spécifique. Mais retenez que tous ces modules que nous avons abordés sont également valables pour toute l'Afrique parce que les réalités sont à peu près les mêmes. C'est juste les approches de gouvernance qui peuvent être différentes ou bien les minerais qui sont disponibles dans ce pays ne sont pas dans l'autre pays. Donc, d'où la notion de contexte national. Sinon, les principes restent les mêmes. Le cycle de vie d'une mine, c'est le même partout dans le monde. Nous avons analysé après les impacts socio-environnementaux et économiques. C'est le même principe partout. Et nous avons ici discuté un peu de tout ce qui est lien, diversification et opportunités que l'on peut tirer du secteur extractif. Et cela est valable partout aussi dans le monde. Quand nous avons analysé un peu la notion de politique minière et tous les fondamentaux qui permettent d'apprécier une politique minière, nous avions clairement dit que cela peut impliquer l'adoption ou l'élaboration de nouvelles lois pour les cas où il n'y a pas ces lois-là. Dans le cas où il y a des lois, cela peut impliquer des révisions de ces lois-là pour s'adapter au contexte. Parce que c'est un secteur qui évolue en réalité. Ce qui est valable aujourd'hui peut ne pas l'être demain. La réalité du secteur extractif avant la pandémie à COVID-19 est différente de ce que nous avons aujourd'hui. De plus en plus, on parle de transition énergétique. Donc, la vision qu'on avait du pétrole et du gaz, naturellement, va être différente à partir de ces engagements que nous avons d'aller vers une transition énergétique juste et équitable. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter un peu sur le cadre politique et juridique du secteur extractif en Afrique de l'Ouest. Cela veut dire que nous allons faire un tour de l'ensemble des instruments de gouvernance qui encadrent les industries extractives dans la région. Alors, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, on va mettre beaucoup le focus sur les pays membres de la CEDEAO, qui sont au nombre de 15. Et de plus en plus, si vous observez la carte géographiquement, vous verrez que la Mauritanie, qui est juste au nord du Sénégal et du Mali, et on peut à l'ouest du Mali, vous verrez que géographiquement, la Mauritanie est souvent considérée dans cette analyse parce qu'effectivement, par la langue et par, disons, la culture, l'évolution même des instruments juridiques et politiques de ce pays-là sont à peu près similaires au reste de la CEDEAO. Donc, quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, la Mauritanie fait souvent partie des pays que nous considérons dans notre analyse. Donc, ce qui fait qu'ici, il faudrait rappeler que politiquement, l'Afrique de l'Ouest est organisée autour de la CEDEAO. Mais vous verrez qu'il y a une sous-entité économique et monétaire dans la CEDEAO qui s'appelle l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui regroupe les pays qui ont en partage le franc CFA. Mais toujours est-il que nous l'avons rappelé depuis le premier module, une région riche en ressources naturelles. J'avais dit que pratiquement sur l'ensemble des 15 pays plus la Mauritanie, tout le monde exploite ces ressources, à l'exception un peu du Bénin ou le Togo qui ont une exploitation plus ou moins timide. Mais le reste, il y a des ressources. Récemment en Gambie et en Guinée-Bissau, il y a eu des réserves importantes d'hydrocarbures qui ont été découvertes, mais l'exploitation n'a pas encore démarré. Donc, ce qui fait que une région riche en ressources, mais en observant la carte de l'économie africaine et l'économie mondiale, nous avons constaté qu'il y a une pauvreté grandissante dans la majeure partie des pays de la région Afrique de l'Ouest. Donc, paradoxe de l'abondance. Alors, ce qui fait que la richesse en ressources naturelles dans ces pays ou dans la région appelle au moins à la mise en place d'un cadre juridique et politique qui permet d'encadrer la gouvernance de ce secteur-là. Alors, mais quand on parle de cadre politique et juridique,
il y a un certain nombre de principes sur lesquels il faudrait s'attarder d'abord. C'est d'abord que la loi doit être claire, intelligible, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être contradictoire avec les autres instruments dans la Constitution ou d'autres instruments internationaux même auxquels les États de la CEDEAO ont adhéré. Donc, clarté de la loi, ça c'est le premier principe fondamental. Et ce principe est valable pour toute forme de loi, même si ce n'est pas dans le secteur extractif. Ensuite, les droits sont exclusifs. Quand vous attribuez un espace X à une compagnie, vous ne pouvez pas permettre à une autre compagnie de prospecter les minéraux dans le même espace pour éviter des conflits. Donc, les droits sont exclusifs. Quand vous attribuez un permis, vous ne pouvez pas l'attribuer à une autre compagnie. Ensuite, à l'endroit des investisseurs, il ne doit pas y avoir de discrimination. Ça, c'est le principe même du droit des investissements internationaux ou étrangers. Alors, sauf pour l'exploitation, bien sûr, artisanale, sinon, on ne doit pas faire une discrimination, que ce soit les investisseurs au niveau national ou régional ou international, il y a une sorte de concurrence à la limite égale entre les différents investisseurs. Maintenant, pour l'exploitation artisanale, pour certains pays qui ont légiféré là-dessus, ils disent clairement que seuls les nationaux ou les sociétés nationales ont droit à ces permis-là. C'est le cas pour le Sénégal. D'autres pays ont préféré ne pas légiférer sur le secteur, laisser un peu ouvert parce qu'il y a toujours des enjeux qui ne leur permettent pas d'aller à ce niveau-là. Quand une compagnie s'installe dans un pays donné, d'abord, il a un permis d'exploration. Mais généralement, il a les droits préférentiels sur le permis d'exploitation. C'est-à-dire que si on vous donne un permis d'exploration et finit cette phase-là, vous avez la priorité ou la primauté sur un permis d'exploitation, sauf si vous-même, vous voulez y renoncer. Autrement, c'est à vous qu'on doit attribuer le permis d'exploitation dans la zone où vous avez effectué votre exploration. Ensuite, les pays qui abritent les projets miniers ont généralement beaucoup de mécanismes de mobilisation des revenus, y compris les redevances. Alors, si vous observez dans la plupart des codes des impôts de l'Afrique de l'Ouest, vous verrez que la redevance tourne autour de 3 à 5 ou maximum 6 %. C'est un peu ça, les barèmes qui sont fixés, parce que le principe, c'est que les barèmes doivent être vraiment modérés et des barèmes fixes pour au moins une durée considérable. L'autre élément fondamentalement à considérer comme principe, c'est que l'octroi des permis, des licences, c'est-à-dire les droits d'exploiter ou d'explorer, doit être un processus assez transparent. Ça, au moins, tous les acteurs de la gouvernance se sont entendus cela. Cela permettra d'éviter les conflits d'intérêts, les risques de corruption dans ce secteur. Les conflits d'intérêts, c'est quand les officiels même de l'État sont demandeurs de ces licences-là. Ou bien, les cas de corruption, c'est qu'une compagnie qui ne devrait pas bénéficier d'un permis puisse corrompre ceux qui attribuent le permis pour pouvoir au moins en disposer. Donc, la transparence permet d'éviter tous ces égarements-là. Un élément essentiel aussi, c'est le cadastre minier, parce que aussi bien la vision minière africaine que les lois nationales ont instauré au moins des approches claires à ce niveau-là, de sorte que quand vous attribuez un permis, que ce soit fait sur la base d'un cadastre précis, c'est-à-dire qu'on définit clairement les périmètres dans lesquels les explorations, les exploitations doivent être effectuées. Ensuite, on a beaucoup discuté de la politique sur la propriété du gouvernement. Vous verrez que la plupart des gouvernements ont pris l'option d'avoir un capital gracieux de 10 %. C'est à peu près la pratique dans la plupart des régions, des pays de l'Afrique de l'Ouest, de la région. D'autres sont allés jusqu'à 15 %. Mais cela ne signifie pas qu'on doit juste s'arrêter à ce niveau. Les 10 %, c'est juste le capital de l'État.
c'est-à-dire le capital gracieux public. Maintenant, plusieurs États ont aménagé une marge pour le secteur privé national qui souhaiterait investir dans ces projets miniers. Donc, ce qui fait qu'on peut aller jusqu'à 20 %, mais les 10 % additionnels, c'est généralement une marge qu'on accorde au privé national qui souhaite investir dans les projets miniers. Et la protection contre la spéculation est déjà un principe dans l'investissement au niveau international, parce qu'il peut arriver qu'un État ou un autre, sur la base des coûts des métaux au niveau mondial ou sur une considération quelconque, veut spéculer. Donc, il y a au moins des dispositions internationales qui encadre un peu les risques de spéculation sur les permis miniers. Donc, voici un peu les principes qu'il faut considérer quand on parle du cadre juridique et politique du secteur extractif. Pour l'Afrique de l'Ouest, il y a différents niveaux de régulation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a au niveau international un certain nombre d'instruments qui s'appliquent dans notre région et qui s'appliquent directement aussi dans les pays où l'exploitation existe. On verra ça de façon plus détaillée. Ensuite, au niveau continental aussi, il y a des instruments que l'Union africaine a élaborés, tels que la vision minière africaine, et qui normalement devraient être suivis de vision minière nationale pour chaque pays, qui devraient s'inspirer de cette vision minière africaine. Donc, vous voyez un peu comment ces États-là ont adhéré à la vision minière africaine, qui va naturellement s'appliquer à leur niveau. Au niveau sous-régional, nous l'avons mentionné dans nos échanges précédents, la CEDEAO dispose des instruments, l'UEMOA dispose des instruments, et tous ces instruments-là, naturellement, s'appliquent au niveau national. Et enfin, au niveau national, généralement, les pays élaborent ce qu'on appelle les codes miniers ou les codes pétroliers ou codes gaziers en fonction de chaque choix politique de l'État qui va abriter les projets miniers. Alors, on va s'attarder un peu au niveau international pour voir quels sont les instruments internationaux qui s'appliquent dans notre région et dans nos pays respectifs. D'abord, la loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif du Canada. En 2015, le Canada a édicté cette loi qui consiste à exiger les entreprises de déclarer publiquement certains paiements qu'ils versent aussi bien au gouvernement canadien, mais aussi bien au gouvernement dans le pays où ils sont en train d'exploiter des ressources. Donc, c'est un instrument qui s'applique à toutes les compagnies canadiennes d'abord, quel que soit le pays dans lequel elles opèrent. Donc, si dans un pays comme le Mali, le Burkina Faso ou le Sénégal, une compagnie canadienne opère, naturellement, cette loi sur les mesures de transparence s'applique à cette compagnie. Donc, voici comment, vous voyez, une loi internationale va s'appliquer, par exemple, sur des compagnies qui exercent dans votre pays. Ou bien, si la compagnie a un certain niveau d'utilisation de la monnaie du pays d'origine, par exemple, une compagnie, même si elle n'est pas entièrement possédé par des Canadiens dans un pays africain, mais si elle utilise le dollar canadien, naturellement, la même loi s'applique à cette compagnie-là. Si elle emploie en moyenne 250 employés de nationalité ou d'origine canadienne, naturellement, la loi s'applique à ce pays-là aussi. Donc, vous voyez un peu comment cette loi canadienne peut s'appliquer dans la région et dans nos pays respectifs. Alors, l'avantage de cette loi, c'est que même si une loi nationale du pays hôte n'oblige pas ces compagnies à publier certaines informations financières, ça peut être rattrapé maintenant par la loi internationale. Donc, ce qui fait que si vous perdez ces données-là au niveau national, vous pouvez aller les rattraper au niveau du Canada. Ça, c'est fondamental. Alors, une directive similaire existe dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle les directives européennes de transparence et comptable. C'est en 2013 déjà que le Parlement européen avait adopté ces directives-là.
qui ont été commencées à être appliquées déjà à partir du 1er janvier 2015, pour toutes les entreprises minières, pétrolières, gazières et forestières enregistrées ou cotées en bourse dans l'espace de l'Union européenne, dont les paiements sont égaux ou supérieurs à 100 000 euros. Donc, ce qui fait que si une compagnie est d'origine européenne ou bien elle emploie un nombre important de citoyens européens ou elle utilise l'euro comme étant monnaie de comptabilité, elle a aussi, elle est soumise à cette obligation, à ces obligations qui sont édictées dans les directives européennes de transparence et comptable. Donc ça aussi, c'est à peu près le même principe qui s'applique pour la loi canadienne que nous avons énoncée tout de suite. C'est valable, c'est le même principe qui est valable pour toutes les compagnies américaines ou qui utilisent le dollar américain ou qui emploient majoritairement des citoyens américains ou une partie du capital est ouvert aux États-Unis ou une partie des actionnaires sont basés aux États-Unis. C'est les mêmes principes qui s'appliquent aussi avec la loi Dodd-Frank. Donc, cette loi-là a été adoptée sous le régime du président Barack Obama et qui exigeait beaucoup plus de transparence sur les paiements effectués à l'endroit des gouvernements qui accueillent les compagnies américaines ou bien si les compagnies sont cotées en bourse aux États-Unis. Pour un meilleur contrôle et pour la lutte contre la corruption surtout. C'est ça l'avantage de ces trois lois internationales que j'ai évoquées. Alors, on les appelle internationales parce qu'effectivement, elles s'appliquent, bien sûr, au-delà des frontières de ces pays où elles ont été adoptées. Donc, le principe est le même. Cependant, pour cette dernière loi-là, elle a été à peu près remise en cause déjà par l'administration du président Donald Trump, qui avait jugé que ces dispositions sont coûteuses et contraignantes pour les établissements de la bourse américaine Wall Street, au point même d'entraver la croissance. Donc, certains voient un peu l'œil d'un libéral derrière qui considère que trop de transparence tue la transparence ou tue l'économie. Donc, déjà, il avait remis en cause la loi Dodd-Frank, de sorte que elle a été à la limite abrogée ou on avait assoupli cette loi conformément à la volonté du président Donald Trump. Alors, c'était en 2017 déjà que les représentants de l'Assemblée américaine avaient décidé de changer un peu cette loi-là et qui sera, bien sûr, qui devait être approuvé par le Sénat américain. L'administration actuelle américaine considère qu'il est important de faire revenir cette loi-là pour au moins renforcer la transparence. Au niveau africain, nous n'avons pas de loi. Nous avons une vision, nous avons une sorte de politique minière qui s'applique ou à laquelle, en tout cas, on adhérait la majorité des pays africains, pour ne pas dire tous les pays africains. Alors, ces pays africains-là ont adopté la vision minière africaine en 2009, en février 2009, au niveau de l'Union africaine. Disons, son objectif fondamentalement, c'est de faire des ressources un élément catalyseur du développement macro et microéconomique des États de l'Afrique. Donc, elle vise à garantir les conditions nécessaires pour le développement et la transformation structurelle des pays africains à travers leurs ressources. Donc, son objectif fondamentalement, c'est de promouvoir un développement équitable et durable reposant sur les ressources naturelles. Elle a 9 champs d'action prioritaires, y compris les politiques et réglementations, d'octroi des permis, la mise en place d'un système transparent, l'intégration des activités minières artisanales et à petite échelle, les questions environnementales, etc. Donc, c'est une panoplie de champs d'action que la vision minière africaine décline et que pour chaque champ d'action, l'État concerné peut édicter sa politique en considérant ces points-là.
Autrement dit, dans la politique minière de chaque pays, on devrait retrouver pour au moins l'ensemble de ces champs d'action. C'est pour cela qu'ils sont appelés champs d'action prioritaires. Mais il faut le rappeler, elle n'est pas contraignante, la vision minière africaine. Elle est de caractère volontaire, c'est-à-dire qu'il incombe à chaque État africain d'élaborer sa propre vision nationale de ces mines. Mais elle doit inspirer effectivement ces politiques nationales dans le secteur minier. Autrement dit, les lois, les politiques, les réglementations qui s'appliquent à votre pays ou à vos pays respectifs doivent s'inspirer, bien sûr, des principes fondamentaux de la vision minière africaine. Donc, c'est pour cela que ces neuf piliers que nous avons énoncés tout à l'heure, ou les neuf champs d'action, doivent inspirer la vision minière nationale. Alors, néanmoins, la CEDEAO, l'Union africaine, a instauré un cadre à la limite institutionnel qui est chargé du contrôle, du suivi et de la mise en œuvre même de cette vision minière africaine. C'est le Centre africain de développement minier, ou en anglais AMDC, qui est chargé de mettre en œuvre effectivement et d'accompagner l'ensemble des pays africains pour, disons, l'élaboration de leur politique, etc. Donc, il y a tout un ensemble d'instruments et de cadres institutionnels qui sont mis à la disposition des pays pour qu'ils puissent au moins s'inspirer de la vision minière africaine afin d'élaborer leur politique nationale. Donc, ça, c'est le niveau continental. Maintenant, si on revient au niveau sous-régional ouest-africain, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO, nous avons ce qu'on appelle d'abord, en 2009, la directive de la CEDEAO. La CEDEAO avait adopté une directive en 2009 visant à harmoniser l'ensemble des politiques et lois autour de ce secteur-là. Mais, encore une fois, la directive, un peu comme la vision minière africaine, n'est pas contraignante. C'est les États qui décident de comment ils comptent mettre en œuvre cette directive-là, au moins. Donc, c'était un peu pour laisser à chaque pays ou État d'apprécier, c'est un contexte national, mais les principes quand même édictés dans la directive et les objectifs restent les mêmes, c'est que tous les États doivent s'aligner à ces objectifs, doivent s'aligner à ces principes. Après 2009, c'est en 2012, en principe, la politique devait précéder la directive parce que généralement, c'est ça la pratique, c'est que la politique ou la vision précède d'abord la loi ou dans le cas contraire, c'est que l'élaboration de la politique peut impliquer une révision de la loi. Alors, mais la CEDEAO quand même voulait juste avoir au moins pour le moment un instrument et ils sont allés directement vers la directive. En 2012, la CEDEAO adopte ce qu'elle appelle la politique de développement des ressources minérales, la PDRMC. Cette politique aussi vise à harmoniser un peu les principes, les orientations, les visions de ce que les mines devraient être pour l'économie de l'Afrique de l'Ouest, tout en respectant les droits humains, tout en garantissant un développement durable harmonieux. L'élaboration de ces deux instruments devait aboutir en 2014 à l'adoption d'un code minier de la CEDEAO. Mais pour plusieurs considérations, y compris politiques, les États avaient considéré qu'ils n'étaient pas encore suffisamment préparés pour avoir une loi qui allait les faire renoncer aux lois nationales au niveau de la CEDEAO. Donc, le processus a tardé. Ce n'est qu'en 2019 que ces États se sont accordés pour avoir ce qu'ils appellent une loi modèle sur l'exploitation minière et le développement des ressources minérales. Alors, pourquoi loi modèle? Ce n'est pas une loi qui s'applique directement comme les directives, par exemple, ou les actes additionnels, mais c'est plutôt une loi qui va inspirer ou qui doit inspirer les lois nationales. C'est pour cela qu'on l'a appelée loi modèle de la CEDEAO. Donc, si vous analysez la loi de la CEDEAO, vous pouvez au moins s'inspirer de celle-ci pour pouvoir au moins élaborer votre loi nationale ou réviser votre loi nationale pour s'accommoder un peu ou s'aligner ou harmoniser votre vision ou vos instruments avec ceux de la CEDEAO, parce que la CEDEAO dispose d'une cour de justice.
Alors, si vos lois et les lois de la CEDEAO sont contradictoires, naturellement, cela crée des conflits de lois au niveau de la... Donc, généralement, c'est les lois supranationales qui s'appliquent, donc ce qui fait que les États sont appelés beaucoup plus à harmoniser leurs instruments aux instruments supranationaux. Mais toujours dans l'espace ouest-africain, nous avons, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'UEMOA, qui est l'Union économique monétaire ouest-africaine, qui dispose aussi de ses instruments de gouvernance dans le secteur extractif. C'est d'abord la politique minière commune de l'UEMOA. L'UEMOA avait développé cette politique-là depuis les années 2000 pour au moins orienter et appuyer les États, parce que l'UEMOA appuie les États en termes d'investissement sur le cadastre, sur les données géologiques, etc. Et plus tard, en 2003, l'UEMOA a adopté ce qu'ils appellent le code minier. Sauf que le code minier de l'UEMOA est une loi donc, qui s'applique de façon directe et immédiate dans tous les pays de la région, notamment ceux qui sont en partage de la monnaie CFA. Et ce code de l'UEMOA a inspiré, bien sûr, la révision de plusieurs codes vers les années 2010-2011. Vous verrez qu'au moins 5 pays de la région avaient révisé leur code. Donc, récemment, ce code minier de l'UEMOA est dans une logique d'être révisé. L'UEMOA est en train d'engager des échanges. Je crois que c'est des échanges assez avancés déjà. Il reste juste la finalisation pour pouvoir adopter cette loi. Donc, la directive de la CEDEAO, je l'ai rappelé un peu plus haut, avec l'ensemble de ses principes et tout ça. Ensuite, la politique en 2012, la PDRMC, puis la loi modèle qui a été adoptée en 2019 par les ministres en charge du secteur des ressources minérales, c'était à Accra, au Ghana.